Bonjour, c'est ADSL Aubin pour le Project Ozone Reloaded en mode Kappa. Alors, le temps que je vérifie mes rushs, j'ai déjà reçu une pluie de mobs assez importante, hein, on va dire. Ce qui fait que j'ai masse choses à regarder. Alors on va checker un peu tout ça. Ça, c'est pareil, il faut qu'on aille voir les graines. Alors, Underpearl 3. Alors, ça, c'est pareil, il y a celui-là qu'il faut qu'on aille faire. Ça, c'est quoi? Ça se met où? Convert to the Emerald when dropped. Non. Ouais, pas compris. Ok. Et ça, c'est quoi alors? Ça, c'était... L'autre jour, on a eu plein de... C'était tout beau et on a eu plein de... Mais c'était plein de trucs, c'était pas... Bon. Je me méfie toujours. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'aller tuer les mobs. Sachant que Underman, je sais pas si on va en trouver. Mais on va essayer de... Ah! Ah! On a un problème. Ah ouais, ça peut faire ça. Ah, il y a des spawns. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. j'ai vraiment eu très très peur. J'ai quoi? J'ai un seau de lave, ça y est. Alors, un truc à faire avec la lave. Alors, j'ai viré le... J'ai fait beaucoup d'alors. J'ai viré le fait que les choses peuvent prendre feu. Donc, c'est vrai qu'on peut faire ça. Ah, un Underman. Ah, comme quoi je peux en avoir. Ah, bah écoute, on va faire ça. Ouais, c'est ça. Ça peut faire une usine automatique. À pierre, bon, sachant que vu qu'on va faire avec Under IO, ce sera pas utile. Hein. Mais bon. Ok. Ah, ça prend quand même feu. Et j'ai pas mis le Doofire Arctic, mais par contre, ça. Ouais, faut pas exagérer quand même, quoi. Ok, donc tout ça, c'était dans l'unique but d'accélérer pour pouvoir générer de la lave si j'en ai besoin. Donc on peut maintenant... En fait, la vitesse de fonte dépend de la source de chaleur, et donc la lave, c'est plutôt bien. C'est vraiment... Mais la folie, ce truc. Loot rare, légendaire. Il y a quoi dans un loot légendaire? Ah, il y a un chance cube. Il y a un chance cube, ouais. Ouais, alors idéalement, j'aimerais bien aller... Oh là là, mais... J'aimerais bien trouver la hauteur où les mobs ne meurent pas pour pouvoir en tuer quelques-uns. Donc pour ça, il faut faire un petit escalier. Enfin, on va le faire par derrière. Là, on va faire un petit escalier. Parce que là, ils crèvent, hein, quand ils arrivent, c'est sûr. Hop. Je suis pas monté, normalement. Je pense pas que j'ai besoin de monter beaucoup. Alors, je voulais voir, vu qu'on a chopé pas mal de graines, cette fameuse quête là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, pas du tout. Mais non, pas du tout. Ça. Grass. Hop. Alors, grass. C'est ça. Donc, c'est de la. Mince, j'ai pas regardé. C'est de la terre ou c'est de la terre. Ouais, c'est de la terre. Il m'en reste un peu. Et du coup, là, j'ai des graines de pastèque. Je peux me faire des graines de blé. Attends, j'ai plus de coffre. Enfin, je me retape du... Enfin, je me mette un coffre. Alors, ils ont fait quoi? Ils sont morts? Ouais, ils sont morts, donc ça va pas. Voilà, le but... Un petit légendaire encore, ok. Une fleur pour la mana. Ça, c'est pratique. Alors... Vous êtes mort. Ah, lune de sang. C'est peut-être pas le moment de faire m'amuser avec ça. Parce que lune de sang, ça va. Est-ce que spawn à mort? Oh, par contre, la lune de sang avec le. Bon, alors, cette hauteur, ça suffit pas. Hein. On notera. Donc, il va falloir augmenter. Par contre, j'ai toujours pas vu de mob volant qui, du coup, n'ont pas le problème avec, avec ça. Hop. Voilà, on essaiera à cette hauteur là. Je viens de me casser les jambes. Donc malheureusement, avec la lune de sang qui arrive, j'ai pas trop envie de tester. Je vais faire masse coffre. Et c'est dans le sable. Alors on va voir ce qu'on a besoin là.
Enfin, vraiment, si ça pop bien ou pas. Ah, un! Oh purée. Un seul! Oh là là là, ça va être trop long. Bon, ouais, ça, je ferais peut-être du off, hein, pour. Bon, mais en fait, la 1200 n'a pas l'air si vénère que ça, donc on va continuer. Salut. À essayer d'aller tuer les mobs qu'on a besoin. Histoire de quand même avancer sur une quête. Hop, donc poudre de. Ah! Est-ce qu'il s'est cassé les jambes? On l'a entendu. Priori, oui. C'est celui-là que j'ai envie de faire, mais on n'a pas ce qu'il faut. Ah, il y a aussi ça, j'avais pas vu. Générateur de survie pour avoir nos premières sources de. Générateur. Comment il se fait? Alors, il fait un piston, il faut de la redstone. Alors, ça, c'est de la redstone, enfin, c'est le principe, hein, c'est comme tout à l'heure. Voilà. Donc, là, ça fait deux. Il faut un four entouré de fer, ça fait quand même beaucoup de fer. Du copper qui entoure de ça, qui. Ok. Et un piston, ça, je connaissais la recette. Ouais, il faut beaucoup, beaucoup de fer. Ça me demanderait de farmer un peu. Pour l'instant, je chope pas beaucoup de fer là, dans ce truc-là. J'en ai un peu, mais. Alors, un truc que je voudrais faire, c'est. On peut tenter de choper. Ça, je vais le. Ça serait de choper. Oh, t'arrêtes, toi, de cramer. Maintenant que t'es posé. Ah, il faudrait que je mette des dalles ici. Oh, j'avais pas pensé à ça. Ok, donc je voulais faire quoi? Je me fais interrompre. Ah tiens, ah mais là il y a encore plein de graines. Du coup j'ai de la terre. Ouais, les graines ont l'air d'arriver souvent, hein, donc on doit pouvoir arriver. J'ai plus ma terre. Qu'est-ce que j'ai fait de ma terre? Ah je l'ai posée. Oh mais quel boulet. Ok, donc il meurt encore. On rappelle l'objectif de, c'est pas de mourir, c'est d'aller fight du monstre. Chaque fois je me fais interrompre par ce petit truc, mais c'est le fil rouge de l'épisode, c'est le but de l'épisode, c'est d'aller s'occuper de ces trucs-là, donc forcément. Mais je voulais tenter de la poudre d'os. Ce qu'on a vu dans ce qu'on a besoin, qu'on a besoin de plusieurs choses, c'est des graines. Tiens, une orchidée bleue, ok. C'est des graines en pagaille. Ah! Ah! Je crois qu'ils sont pas morts. Sérieux? Zéro graine? Est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai pas ouvert. Ah ouais. Du coup, on n'a pas de graines comme ça. Par contre, oui, là, j'ai rempli d'eau. C'est un peu stupide. Il faudra que je jarque le sein. Alors, va-t-on arriver dans cet épisode à obtenir la quête de tuer les mobs? Yes. J'ai quoi encore là-dedans? Petit petit! Ouais, ça c'était prévisible. C'est pour ça que je voulais pas ouvrir. Alors, on aurait dit un zombie. Enfin, c'était moitié zombie, moitié squelette, c'est bizarre. Ouais. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai? Mais pu! Ré! Que je suis boulé. Alors on va essayer de peut-être faire une approche différente. Mais c'est un. Ok, d'accord, je. Alors déjà, approche différente, on va faire ça. Pour. Hop. Déjà, t'arrêtes de me saouler. Ah non, c'est qu'ils étaient l'un sur l'autre. J'étais là, waouh. Donc ça c'est le niveau qui permet de faire ça. Donc ensuite il suffit d'entourer. Normalement on devrait pouvoir. En fait ils n'arrivent pas à nous choper quand on met ça d'épaisseur, donc c'est pas mal. T'es trop loin. Ils nous voient pas. Voilà! Alors, on est à quoi du coup? On a tué les 4 squelettes, il nous manque
Zombies, creeper. Ok. Ok. Est-ce que les orchidées bleues, je peux les mettre là-dedans? Oui. Oh! Pourquoi? Alors ça, c'est drôle. Pourquoi c'est bleu? Si je mets que les orchidées. Mais est-ce que. Dans les. Ah, là, on a autre chose. On a eu une graine de pomme. Ah, purée. Nous voulons bien avancer. Ah, graine de carotte. Par contre, celle-ci, elle fait très très plaisir. Parce que c'est une quête, ça, la graine de carotte. Ah. Donc, finalement, passer du temps à faire ça. Ok, graine de carotte 2. Si on chope la graine de patate, on avance dans nos quêtes. Et alors, moi, je suis quand même vachement curieux de savoir ce qui se passe si je remplis ça de cul bleu. On entend là-haut que ça tombe un peu. Il y a l'air d'avoir du zombie. J'aimerais bien un peu de creeper. Ça, c'est du yep, cosmétique. Je sais pas si ces graines-là fonctionnent dans le. Dans la quête, ça serait cool, mais ça, mais je vais en avoir une quantité de poudre de soufre. Je sais pas si j'en ai besoin dans beaucoup de quêtes, dans beaucoup de. Ouais. Parce qu'on va en avoir, hein. Ouais, ça composte. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça y est, il y a un creeper. Ça, c'est cool. Et on a un Enderman. Sauf que il s'est mis. Oui! Ah, on a une. On a un fantôme. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ce truc-là? On l'a tué ou pas? Trop space. Je sais pas ce que c'était. Alors, ça c'est cool. Underman c'est fait. Il me reste un il me reste 3 creepers et un zombie. Bon, il y a un loot bag, mais. Oh, j'ai eu la tête d'Enderman. C'est pas mal ça. Je verrai si j'ai le courage. Ah, ça c'est cool. Alliage de redstone en masse. On est en train de. En fait, mine de rien, de faire ce genre d'épisode un peu plus posé où. Voilà, forcément c'est peut-être un peu moins enrichissant. Mais alors, en termes de looting et d'événements. Ok, donc sinon ça a filé du sable. Donc ça a pas. Du sable de la terre, la couleur était bleue, mais. Alors, est-ce que ça marche? Ouais. Ah, 8 par. Ok! Ok, 8. 8. 12. Ok, donc en fait, donc il faut juste que je mette un sable de plus et que j'entoure de graines. En plus, on a vu que c'est pas. Il faut pas que je cumule tout d'un coup, donc ça, c'est plutôt cool. Si on peut tomber sur la graine de patate. Bon, déjà, on a. On a ça qu'on peut blinder. Ok, ça composte, ouais. Ah, je me perds dans ma propre base. Hop. Alors, ce qui va être frustrant pour moi, vous voyez, c'est que là, cet épisode-là, quand je vais le tourner, enfin, quand je le tourne, la diffusion sera genre vraiment très longtemps après. Il peut peut-être à travers, il faut que je me méfie. La diffusion sera vraiment très très longtemps après. Ce qui fait que je vais devoir pas toucher au modpack pendant. Mais genre 3 semaines. Non, c'est ça, quasiment. Pendant 3 semaines, je jouerai pas ce modpack. Et ça va me manquer. On a entendu, il y a un creeper là-haut. On a entendu, on a entendu. Ah, c'est marrant comment il se. Ok, c'était tout stassé là. Tout stassé. Un zombie et. On va bientôt pouvoir finir l'épisode. C'est plutôt cool. Alors, normalement, j'ai la terre qui est prête. Ah oui, sauf que je suis un peu blindé. Non, c'est la terre que, surtout qui m'intéresse. Hop. Donc la terre, on peut la mettre ici. Il faut que j'aille récupérer les graines. On peut lancer. Alors je sais pas du tout à quoi servent ces trucs. Et là, vous pouvez me répondre parce que je rejouerai pas avant d'avoir vu. Cette réponse. Donc là, on a enfin eu la première type de la topiara. Maintenant, il faut passer la blue et la automnale. Grâce. Alors, la blue, on a dit que c'était avec blue avec bleu. Alors, par contre, et fin moite moite, hein, ils ont dit.
Par contre, j'ai en bleu. Ah, mais si, en bleu. Bah voilà. Hop. C'est du bleu, ça, ou c'est du... Ah, c'est du bleu clair. Non, c'est du bleu clair. Donc, il faudra... Pomme de terre, ça y est, on va pouvoir finir deux quêtes dans cet épisode. Voilà. Ah, bah, il est bien fait par rapport à l'autre. Là, au moins, il les détecte direct. Oh, on a un petit épic à ouvrir. Un petit seau, ok. Du pain. Bon, je ferai peut-être un petit. Un peu de. Crop get. Ah, regarde, du coup. C'est celui-ci. Ok, terminé. Hop. Donc là, après, il faut faire des toasts. Ok. Du sugar. Pas mal de petits trucs à faire. Mais ça sera le prochain épisode. On va essayer juste d'aller voir si j'ai. Ok, oui, alors j'ai ce qu'il faut. Hein. Ça va là, normalement. Voilà! Ah! Une petite mort en plus! La petite mort en plus. Ok. Mais on a pu finir la quête qui s'appelle Mob. Et donc on va pouvoir obtenir. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une lampe de lapis. Ok. Voilà, pourquoi pas. Et on a donc de quoi aller ouvrir. Faut qu'on aille ouvrir tout ça. Ça, je peux garder sur moi. J'ai récupéré des têtes. J'ai du bol. Un peu sur mes loots là. Ok, on va poser tout ça. Au prochain épisode, je rangerai. Je ferai du tri, du rangement. Mais avant, on va aller. Ah, j'ai une amulette. Oui, d'accord. Je sais pas ce qu'elle fait. Et des vitre-coeur. Non, oh, c'est mignon. L'amulette. Je crois que c'est juste pour la déco. Juste, voilà. Ok. Alors. Peut-être perdre notre gâteau, mais bon. Ah, alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Tant pis. C'est quoi? Hein, c'est un villageois. J'ai gagné un villageois. Ok. Salut, petit villageois. Donc je vais arrêter d'ouvrir ici, hein, parce que... The Note Villageois. Alors je sais pas ce qu'on peut gagner avec, mais on sait jamais. Il nous reste donc un dernier... Eh, ça y est, hein, j'ai un peu plus de chance là. J'ai eu des Island Gear. J'ai eu un Villageois. Alors on sait pas en termes de trucs ce qu'il y aura dedans, mais... Et le dernier... Bon, celui-là, je le sens pas, voilà. Un chat TNT. Voilà. C'est bon, j'avais peur qu'il me court dessus. Ok, et ben voilà, comme ça, on peut conclure cet épisode. On a quand même réussi à faire des quêtes. Je suis content parce que c'était pas gagné. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que plus on est de fous, plus on construit. Allez, bye bye, à la prochaine!